combien que ça pèse un canot en écorce d'épinette? On va le découvrir. Bon, je vais embarquer sur la balance pour que vous voyez mon poids sans le canot. Après ça, on va le refaire avec le canot, fait que ça va nous donner le total. On embarque. J'étais à 150. Ça sort stabilisé. Ok, on ramasse le canot. En écorce d'épinette. On embarque. Peut-être falloir que mon caméraman Claude aille par l'autre côté. Combien que ça donne? Tu le vois-tu? Ben... Ça donne pas loin de 240, disons 237. Essayez de... Peut-être que si je zoome un peu... Ah, tiens, ça va être bon, ça, oui. Ça va être bon, là. Oui, j'ai repesé pour zoomer. OK. Oui, on le voit très bien. Ça fait que c'est comment? 50? Ça donne, ouais, parce que ça fait 50 plus 37, ça ferait 87. Ça ferait 87 livres. C'est assez pesant. Bon? Ouais. Parfait! Hein? Je m'habitue de plus en plus à ce canot-là.